Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a indiqué qu'il serait en première ligne du combat contre les forces rebelles. Cette annonce survient alors que le Front de libération du peuple du Tigré, ou groupe rebelle du TPLF, gagne du terrain dans la capitale Addis-Abeba. Le conflit entre les forces alignées avec le TPLF et les forces éthiopiennes de défense nationale a éclaté il y a un an dans la région du Tigré, la plus au nord du pays. Les forces rebelles ont récemment avancé vers le sud, incitant le Parlement éthiopien a voté un état d'urgence de 6 mois pour contenir l'opposition.